Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire des expériences sur des villageois innocents. J'ai la clé dans mes poches. Yup. Voilà. Regardez, Bobby, ceci est mon assistant. J'ai fait une transformation moléculaire. Il a maintenant le visage en squelette. N'est-ce pas, Bobby? Bref, nous allons nous amuser avec eux. Donc, il faut mettre deux blocs que l'on souhaite comme ça, pour faire un piège. Un bloc, enfin, n'importe quoi en dessous, et un dispenser qui pointe vers ce mur, plus un levier au-dessus. Et à l'intérieur, vous mettez... l'une des têtes que vous voulez, donc là ça va être la tête de squelette. Attention, il a joué. Brac. Voilà. À toi. Donc tant mieux, j'ai mis une tête de zombie. Brac. Voilà. Dans lui, j'ai mis une tête de Jean-Kevin. Donc normalement, ça va faire une tête bien chelou. Ça va pas faire une tête bien chelou. Ok, là on a une tête de wither squelette. Brac. En fait il est stylé à part son nez. Ah. Là il reste quoi? Ah oui, creeper. Creeper. Oh my god! Ok. Donc maintenant je vais laisser sortir mes bêtes. Elles ont fini les expériences, les bestioles. Elles peuvent sortir de là. Peut pas que... Voilà. Non, ne sortez pas du hors complètement, s'il vous plaît. Ouais, de toute façon. Non, quoi que. Est-ce que je peux faire la porte de là? Ouais, c'est un combat qui se fait. C'est vrai. J'ouvrirai avec mon autre clé. Voilà. Seconde... ouais, non, en fait. Seconde expérience. On va mettre un villageois... Enfin, celle-ci va être une expérience de combat, plutôt. On va mettre un villageois avec une armure en diamant dedans. Et là, juste un villageois basique. Donc... Il a mangé toute l'armure! Il est beaucoup plus résistant. Donc pour ça, il fallait faire comme les autres endroits. En fait, c'est totalement comme ça avec les deux blocs là. Et ici, on met une armure en diamant complète. Bon, fer, ou maille, ce qu'on veut. Alors que pour lui, je n'ai rien mis. N'est-ce pas? Il va mourir en 1, 2, 3 coups. Et lui, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 coups. Donc c'est des expériences que j'ai fait déjà. Donc les toutes. C'est comme ça que je connais. Je dis monsieur squelette. Monsieur Yami. Monsieur Jean-Kevin, 100%. Monsieur Bobby! Après eux, je leur ai pas mis la potion. Brac. Non, je peux choquer. Bah, non. Les mecs, d'ailleurs, ouais. Mais. La deuxième. Bon, j'ai juste à personne. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai fait ça sur ma map School RP. Hein. Donc ça c'est le labo. Pour ceux qui voudront y rendre visite. Donc je vous fais pas visite, je l'ai déjà fait dans la dernière vidéo, mais sans parler. Donc voilà. Donc c'était deux tests pour vous montrer comment améliorer vos PNJ. Normalement l'armure en diamant, je sais pas du tout si ça marche. Donc bah, on va tester maintenant.
Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Ouais. Cool. On va prendre une armure en diamant avec un œuf de zombie. Voilà. Donc ça va être ce test ici. Tac. Je mets ça là. Non! Bon, je pense que ça peut... Oh non! Pourquoi il y a un bébé zombie? Je suis pas content. Ouais. Et puis en diamant, et je prends des œufs cette fois-ci par moi-même. Moustache! Il a déjà une épée en fer, donc ce sera parfait s'il a son armure en diamant, non? Ok, bah comme vous venez de voir, ça ne marche pas avec les ennemis. Bobby, enfuis-toi! Bobby! Enfuis-toi! Je vais lâcher Fave, Bobby! Ne joue pas l'ignorant! Bobby! Fais! Merci, Bobby. Ok. Je vous lâche. C'est pas Bobby ça? Non, arrête. Bien, Bobby. Tu t'es échappé. Maintenant que le feu est lancé. Enfin, je crois. Ils m'ont l'air de courir. Ouais. Ok, bon, on va laisser faire ça, hein, Bobby. Allez. On leur dit à la prochaine. Au revoir, c'était Oda Yeager. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Voilà, j'ai fait cette vidéo avec Bobby. Parce que j'ai pas d'amis. Et sur ce, ciao tout le monde.